Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est lundi, le lundi c'est unboxing et aujourd'hui c'est avec la boutique Diamond Argif. Alors aujourd'hui Diamond Argif c'est une boutique qui ne fait que du DP, que du Diamond Painting. Aujourd'hui je vais vous présenter deux articles, un vraiment tout petit comme ça, je ne pensais pas qu'il était si petit. Et un DIY en diamond painting. Alors, je vous montre d'abord ce minuscule petit article. J'aurais vu un peu plus grand quand même. Bon. Une petite brosse. Voilà. C'est un petit pinceau, on va dire plutôt. Voilà. Donc je pensais quand même un peu plus grand, mais bon, voilà, si vous voulez frotter un peu sur votre DP, voir s'il n'y a pas des perles qui sont tombées ou quoi, voilà, ou sur votre plateau quand vous rangez les perles. 99 centimes pour cette mini brosse, mini pinceau, mini. Alors, le DIY Diamond Painting. Alors, je pense que... Oui, je vais réussir à vous le montrer comme ça. Alors, vous l'avez déjà dans une boîte comme ceci. Derrière, vous avez des explications, comment il faut faire. Et moi, je cherche l'ouverture. Voilà. Et ben voilà, ça y est. Oh, il est bon le socle. Alors, on va déjà avoir le petit toolkit comme d'habitude avec des petits sachets supplémentaires s'il vous reste des perles. Enfin, ici, ce sera des strass. Alors, je vous montre. Alors, c'est c'est recto verso. Voilà. Donc, c'est un grand cœur comme ceci. Avec un joli papillon, des fleurs, et donc vous l'avez recto verso. C'est le même papillon. Ouais, c'est le même papillon. Et ça va être un objet à poser sur un meuble. Donc, je vous montre le socle. Alors, vous allez d'abord avoir une plaque comme ça en bois. Assez épaisse déjà, donc avec un petit trou au milieu, et vous allez avoir deux socles comme ceci. Alors ils vont se poser c'est toujours un peu juste, je trouve. Il faut toujours, moi je râpe un petit peu à chaque fois. Ouais, il faudra que je re-râpe un petit peu pour pouvoir bien le rentrer, mais c'est pas grave. Ça, vous prenez un petit cutter et puis vous grattez un tout petit peu le bois. Des fois, c'est pas au millimètre. Hein. Bon, là, c'est surtout que c'est... Ouais, si. Donc, alors, il va y avoir un sens. Je vois ça. Alors, voyez ici, il y a une petite rainure. Donc ça, ça va être à l'intérieur. On va mettre les deux comme ça. Hop. Et on va poser le cœur comme ceci. Bon, là, c'est pas fixé. Hein, donc, c'est un peu compliqué. Mais voilà. Voilà ce que ça va faire à peu près. Mais là, bon, quand il sera fixé, on verra mieux. Voilà. Ça fait deux mains. Si vous voulez, avec un cœur dans les mains. Voilà. Et il y aura le petit socle ici en dessous. Mais quand il sera fait, je vous montrerai, ce sera beaucoup plus parlant. Mais je vais quand même vous mettre une image. Voilà. Alors, on va avoir... Alors, je vais m'avancer un petit peu. Je ne vais peut-être pas tourner le téléphone parce qu'il y a
pas grand chose. On va avoir, voilà, dans des sachets zippés. Alors, je sais pas combien de couleurs on a, je vais voir ça. Alors, le dernier sachet, à quel numéro? Ah, 20, 20 couleurs quand même. Voilà. Allez, je vous montre. Je sais pas si dans ce... non, dans ce sens-là, vous voyez pas bien. Je vais changer. Voilà, c'est beaucoup mieux. Je pensais pas qu'il y avait autant de couleurs. Donc là, ce sont tous des petits strass hein, de taille normale. Donc, et ici on a les spéciaux, donc les petites gouttes d'eau, voilà, les plus grandes gouttes d'eau, là c'est des grandes gouttes d'eau également, et on termine avec des gros strass ronds à facettes jaune. Voilà. Donc, c'est... Alors, je ne sais pas si on voit bien... Bah, si vous, là, vous pouvez peut-être bien voir. Voyez, voilà ce que ça va faire quand il sera terminé. Voyez. Alors, ce DIY d'épée, cœur papillon avec un socle en forme de main, est à 13,99 $. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo qui est assez courte vous aura plu. Moi, en attendant, je remercie beaucoup la boutique Diamond Archif et je vous remercie tous également d'être là, d'être fidèles à mes vidéos. Et moi, en attendant, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.